si je reste dans les codes, vous n'allez rien comprendre. En réalité, Narcisse, celui qui a réalisé le film que vous venez de regarder, lors du dernier festival international de la caricature qui s'est passé du côté de Yaoundé, John Lennon, le professeur John Lennon, que vous avez vu, le blanc, le vieux papa blanc qui était dans le film là tout à l'heure, c'est avec lui que nous avons partagé la table de la conférence pour montrer la force et certains aspects de la caricature et dire que c'est un facteur de développement comme vous avez vu dans comme un élément de l'art, c'est un facteur de développement comme vous avez vu le titre de ce film. Et alors, Narcisse me rencontre, c'est au bois Sainte-Anastasie, pour ceux qui connaissent Yaoundé, que voilà, il voulait travailler avec un artiste et raconter un peu l'histoire de sa vie, de son cheminement, et quelqu'un lui a dit que je suis la personne indiquée. Quand Narcisse est venu me voir, je lui ai dit, écoute, la personne t'a peut-être bien conduit, mais j'ai sous la main quelqu'un de bien meilleur, parce que son histoire est peut-être extravagante pour moi, mais il a des séquences fortes qu'il a besoin que vous connaissez et que l'humanité au Cameroun sache, parce que à la différence de moi, puisque nous tous nous avons fait caricature et j'ai travaillé aussi dans un journal comme M. Issa, moi je n'ai pas été fouetté, alors que c'est un gars. Si vous montrez son pantalon, vous allez voir, il y a les petits pouces là. C'est les fouets qu'il a reçus dans les années 90, les années des Brésiliens du Cameroun. Et c'est comme ça donc que j'ai donc arraché M. Issa des bras des télés, des différents médias qui le discutaient. Et je l'ai donc mis en contact avec Narcisse. J'ai dit, Narcisse, je crois que tu gagneras à causer avec ce monsieur. Et tu risques d'être surpris de ce que tu vas découvrir. Peut-être qu'après cela, si tu veux, tu peux revenir vers moi. Tu tiens toujours à ce que nous tenions un film dans la suite de raconter des histoires. Si je dis ça, lui, il n'a pas eu la chance que son père accepte qu'il fasse la caricature. Chez moi, c'était le contraire. C'est l'entourage parental qu'il intoxiquait à me dédier de dessiner. Parce que dès qu'un popoli échouait sur la table à la maison, en fait, dans les affaires de ma mère, la petite histoire, moi j'ai été élevé au beignet haricot bouilli que ma mère faisait, et chaque fois elle emballait ses beignets avec les papiers journaux. Et c'est ainsi que dès que je prenais la bulle de popoli, ça avait le stylo que je recroquais tout. Je me souviens pour mon cahier de 5e d'histoire ou de ou de, comment on appelle ça, ou de mathématiques, avant qu'une célèbre caricature de la une du journal Popoli, ça s'appelait à l'époque Messager Popoli. Et quand on avait donc intoxiqué ma mère, puisque c'est finalement elle qui a eu le plaisir et la chance de m'élever, papa ne vivant plus, et c'est ainsi que elle a procédé à la destruction. Elle a procédé à la destruction massive de mes œuvres. C'est-à-dire, elle fouillait tous mes effets de classe, sans que si je parle, je laisse les cahiers. Elle fouillait toujours des dessins, elle ôte les pages, et ainsi de suite. Mais je peux vous dire, si ce cahier n'avait pas disparu, ça devait être un témoin vivant. Parce que ma force de caractère avait fait aussi que sur les lignes, les traces étaient restées sur la couverture du cahier. Ce qui fait que bien que la page de produit était arrachée, il y avait encore l'empreinte du dessin de produit que j'avais repris. Alors, voilà simplement une histoire, une séquence de l'histoire que j'aurais pu raconter jusqu'à arriver à l'homme que je suis devenu aujourd'hui, tout en espérant être un espoir pour la jeunesse que nous sommes.